Apparemment que la mise à jour, elle va être bonne. Bonjour à tous. Alors, je suis en compagnie de notre cher ami Arsène Lupin. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, pour tester Dead by Daylight après la nouvelle mise à jour qui, semble-t-il, nous permet d'attendre moins longtemps pour trouver une partie et qui a été vérifiée par Arsène. Donc, on va voir combien de temps ça va prendre. Et du coup, peut-être voir le nouveau tueur. Ouais. Toi, tu as eu l'occasion de nous voir combien de fois, du coup, le nouveau tueur? Ah, le nouveau tueur, j'ai dû le voir au moins 5-6 fois. Ouais. Donc, assez perturbant, c'est pas peut-être un tueur top tier, mais quand même assez dangereux. Et ça dépend aussi de la façon dont jouent les survivants. C'est avec l'histoire des fontaines qui s'activent. Quand il upgrade son pouvoir, il est assez fort. Par contre, quand il est en pouvoir normal, c'est pas un tueur plus dangereux que les autres. Et il a combien de niveaux d'upgrade du coup quand il boit la fontaine rouge? Il y a juste une upgrade. Et ça dure une fois qu'il a l'upgrade, c'est pour tout le temps ou... Alors je sais pas si c'est limité dans le temps ou si c'est permanent jusqu'à ce qu'il mette quelqu'un par terre. Ouais. Mais en gros, avec cet upgrade, il one shot avec son vomi. Donc il fait méfiance. Ah oui, pour ceux qui ne savaient pas. Nouveau tueur vomit sur les gens. Voilà, c'est The Plague. Il est gratos le nouveau tueur ou il faut l'acheter aussi? Non, c'est un DLC. Ok. Alors, juste pour info, le nouveau mode de matchmaking. En fait, il est en test et j'ai l'impression que des fois il l'active, il désactive. Ah. C'est là par exemple, on voit recherche de partie et en dessous il n'y a pas le temps estimé. D'accord, donc en gros, pour notre partie, on va devoir se. Ah, je sais pas. Non, pas forcément, mais. Mais par moment, ça met le temps, c'est mis le temps d'attendre 30 secondes. En fait, le nouveau matchmaking, ce qu'ils font. Ils regardent en fait toutes les 30 secondes. Ah bah tiens, c'est parfait. Ils regardent toutes les 30 secondes en fait les joueurs qui sont. Les tueurs qui sont connectés et les survivants et ils les matchent. En fait, ils sont un peu plus tolérants sur les niveaux. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas qu'il y ait forcément que des joueurs du même niveau pour faire une partie. Okay. Bon, là c'était pas mal en tout cas. Oui, c'est sûr, ça évite d'attendre trop. Parce que j'avoue, sur PC, le matchmaking, je pense qu'ils ont dû le faire il y a très très longtemps. J'ai jamais vu une fois une partie où le gars avait à attendre super longtemps pour en trouver une sur PC. Ouais, après c'est aussi parce qu'il y a plus de joueurs sûrement sur PC quand même. Ah mais bon, le jeu était gratos sur PS4, hein, j'ai envie de te dire. Quand même. Ouais. T'es rang combien là? Parce que ça y a eu le reset hier. Il m'a refoutu en 20, je crois. Ouais, mais je dois être 15. Ou 17, peut-être. En tout cas, j'ai vu. C'est peut-être le truc qui met à chaque fois. Ouais, 20, c'était tueur. C'était ton renteur. On va voir ça. Ah, on est tous ensemble, je te vois. Je suis à ta droite. Enfin, ouais. Alors maintenant il y a un système pour brider la vitesse. C'est-à-dire que quand t'es 2 sur un générateur, tu vas plus à 200% de la vitesse normale, tu vas à 180. D'accord. Et quand t'es 3, tu vas à 240% au lieu d'aller à 300. D'accord. C'est pour éviter que les survivants fassent tous les générateurs trop vite quand ils étaient ensemble. Bah vas-y, je te suis. J'ai l'impression que c'est plus fluide. Hein. Ou alors c'est parce que le tueur a une bonne connexion. Ah peut-être. Moi j'ai récupéré ma fibre, en tout cas je suis content. Ouais. Alors c'est bien, il n'y a pas ruine. Ouais. Ce serait bien si on commençait une partie avec une bonne petite victoire. Ah, bah, le tueur s'est déconnecté, victoire. Bon, ouais, si on veut. Victoire par forfait.
Mais du coup, avec les derniers ajustements du jeu, là, j'ai l'impression qu'ils ont quand même remis la balance plutôt côté tueur, quoi. Comment ça? Ah, pour que ce soit plus facile pour le tueur de choper? Ouais. J'ai le sentiment de survivre un peu moins de parties qu'avant. Alors, donc tu es rang 18. Bon, je relance une invite. Partie qui a été rondement menée, très rapidement. On a été très pro sur cette partie, je pense qu'il a senti le level, il a préféré pas aller plus loin. C'est ça, je pense qu'il a dû voir dans les joueurs Arknet et Arsène Lupin, il s'est dit bon. Voilà, il s'est dit ouais, pas il la peine. Non, je préfère pas. Je les connais, je les ai déjà vus sur internet. Ouais. Par contre, ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai quand même gâché un objet pour ça, quoi. Oui, un item. Ouais, ça c'est pénible. En plus, c'était. Ah oui, d'accord, c'était un. Je pense que c'était un truc que j'avais utilisé pour l'audace. Donc, vu que j'ai pas rencontré le tueur, bah, j'avais 0 points sur l'audace. Ah, dommage. Donc, ça t'a pas aidé, quoi. C'est ça. Bon, ça m'a permis au moins de prendre un niveau. Voilà. Je pense que la prochaine personne que je prends en survivant, ce sera celle qui peut marcher super vite en mode accroupi. Ah, ça c'est pas mal, hein. Ouais. C'est Néa, je crois. Oui, moi je suis en train de la level up. Et du coup, t'as combien de perso pour cette niveau 50? compétence. J'en ai 5. Mais il y a des trucs pas mal, c'est quand je vois dans la boutique qu'il y a des compétences que j'ai déjà, tu les achètes. Ouais. Et mais vu que tu les as déjà, ça te file 150 000 points de sang à la place. Que t'achètes Donc avec ça, c'est pas mal, les éclaireurisés? Ouais, tu dépenses 2000 éclaireurisés, mais du coup en échange tu récupères 150 000 points de sang. Donc... Ouais. J'avoue, tous les joueurs Jap que j'ai vus, ils étaient à du 150 000 voire 300 000 points de sang. Les gars, ils utilisaient même pas, c'était juste tu peux pour monter monter un jusqu'à un niveau, million. c'est tout. Quoi. Ouais. Après, les déconnexions de tueurs, je sais pas si c'est vraiment à chaque fois de la déconnexion, le mec quitte, ou est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des plantages. Pas. C'est le mec si rage quitte juste parce qu'on a fait un générateur, c'est quand même pas terrible. Là, ça, j'avoue, c'est un peu con. Que c'est juste un générateur, hein, après, pas comme si on avait fait oui. beaucoup déjà. C'est ça. Après derrière lui ça lui fait perdre des points pour ouais. son rang. Mais j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo sur PC où c'était Noob qui en fait il a joué en Survive with Friends et puis il faisait il montrait en fait à chaque fois toutes les déconnexions de tueurs qu'ils avaient provoquées avec leur combine quoi. Et il disait qu'il y a sur PC en tout cas il y avait un moyen de quitter pour pas perdre de points. Et donc ce serait ça, les joueurs l'exploitent, enfin les tueurs l'exploitent un peu quoi. Mais il y avait des trucs excellents, genre des fois, y a un de ses potes qui se fait avoir, donc qui est par terre. En fait, le tueur, il est, a dû le choper pendant qu'il passait par-dessus la palette. Donc le tueur, il est en train de détruire la palette. Noob, il arrive direct. Juste à côté, t'as une armoire, t'as un placard là. Il se met dedans et il dit à son pote, vas-y, rampe un peu vers moi. Et en fait, le gars, il rampe jusqu'à proximité du placard. Et quand le tueur le chope, il ouvre les portes. Et le fait d'ouvrir les portes et de toucher le tueur, en fait, ça fait relâcher le survivant. Ah putain. Ouais, ça je savais pas. Ah non plus. Il y a des combines comme ça. Alors du coup, si le tueur arrive vers l'armoire mais qu'il l'ouvre pas et que tu l'ouvres quand il est là, ça peut l'étourdir aussi ou...
Oui. Si t'as le bon timing, c'est genre si le tueur il doit te foutre dans une armoire, si tu l'ouvres au bon moment, tu dois pouvoir l'étourdir. Faut vraiment être au bon moment. Hein. Ouais, et où ça marche très bien, j'ai vu plusieurs fois sur les vidéos, c'est quand t'as le tueur à la tronçonneuse. Quand il part dans son espèce de rush à la tronçonneuse, c'est-à-dire il commence à le faire, il peut pas s'arrêter, là tu te mets dans le placard, et ça l'étourdit. Et t'as un mec qui le fait genre 2-3 fois de suite. Chaque fois il rentre dans le placard, il ressort, le mec essaie de lui refouter un coup de tronçonneuse, il re-rentre, et ainsi de suite. C'est assez... assez drôle. Merde. T'avais oublié de te mettre en prêt? Non, j'ai rappuyé sur faire exprès sur triangle. Ah ok. Et je suis pas sûr qu'il y ait le nouveau mode de recherche. Ce nouveau mode de recherche, il crée une file d'attente de tueurs, c'est-à-dire il ne préaffecte pas tout de suite les tueurs sur des sur des serveurs. Enfin, il crée pas tout de suite une partie pour les tueurs. Mmh. Ils font deux files d'attente, une pour tueur, une pour survivant, et toutes les 30 secondes en fait, ils font un matchmaking. Ok. Alors qu'avant le tueur, il pouvait être dans une partie, mais ça mettait du temps pour lui affecter des survivants. Ah, je crois que David Tic a un souci avec sa mallette. Ou alors c'est une montre de nouvelle génération. C'est la nouvelle Apple Watch. C'est ça. En format XXL. Ouais. Pour ceux qui aiment pas lire les petits chiffres. Mmh. On remarque avec la trousse mise comme ça, il peut foutre des mandales au tueur. Ouais. Ça fait coup de poing. Pour aller ouvrir et réparer, ça doit être un peu chiant. Parce que il y a tout qui se casse la gueule. T'avais vu la vidéo que j'avais faite avec l'espèce de colonne de lumière là? Colonne de lumière? Non. Ouais. Je crois que je l'avais posté sur le groupe où j'ai peut-être oublié. Mais c'était sur une partie, un truc de fou qui s'était produit, une espèce de un gros geyser de lumière qui tombait pendant qu'on était en train de réparer un générateur. Non, j'ai pas vu ça. Non, un peu comme j'ai si vu celle où tu avais trollé le tueur, celle où tu courais derrière le tueur. Ouais. Ouais, bah c'était avant. Ah, je la remettrai, mais c'était trop bizarre. Ça fait un peu enlèvement par les extraterrestres, une colonne de lumière qui descend comme ça. Pff. Sauf que ça faisait rien de plus que de la lumière. Bon, ça va, pour l'instant on a du bol, les deux parties on n'a pas eu à attendre trop longtemps. Ouais, c'est bien. J'espère que celle-là elle va être un peu plus rapide. Jusqu'au bout. Enfin, oui, un peu plus longue, je veux dire. Marais de Backwater. Ah, je suis l'obsession. Bien joué. Ah, j'entends les battements. Ah, je vois quelqu'un derrière. Ah, c'est le docteur. Putain, mais il est loin, comment il a pu m'avoir avec son truc? Ah, bah on est trois. On est trois ensemble. Il a pas vu mes traces de pas. Il est pas doué. Mais il longe les murs, hein. D'habitude les tueurs ils vont au milieu, lui il est en train de longer. Bon. Je vais aller de côté. T'es avec d'autres? Ah ouais, je suis avec les trois. Ah bon? Je suis sur le pont en bois. Il y a ruine. Ah. Attends, je suis sur la passerelle en bois, mais il y a deux générateurs. Ah, viens vers moi, je te vois là, tu cours. Ouais. On a deux générateurs à faire en haut. T'es caché pile poil dans le bateau, là où t'as le petit truc avec le... Ah. Avec le... Ah oui, je vois. Le gouvernail. Je suis sur le générateur. Ok. Il y a pas ruine. Merde. Je sais pas ce qu'il raconte. T'as attaqué l'autre générateur du coup? Oh ouais. Bon, je suis ni celui-là et je vais le libérer. Ok. Ah,
merde, le voilà. Non, c'est bon, il a tué quelqu'un. Putain, mais il est sur moi. T'es toujours sur le gem? Ouais, ouais, j'essaye, mais là je suis loupé 2-3 fois. Avec ces conneries là. Attends, j'arrive. J'ai quasi 90%. Alors, faut encore aller libérer l'autre boulet. Oula, il est où? Ah, il est juste là. Putain, je sais pas où il est. Ah, il est dans un coin là, il fait les bois. Ah merde, il m'a vu. J'ai sa lumière rouge qui est sur moi. C'est quoi ce bordel? La lumière rouge, au niveau 3, oui, c'est normal. Ah bon? Ouais, au niveau 3, en fait, t'as l'impression qu'il est toujours derrière toi. Oh le lag, j'avais passé l'obstacle, putain. Il y a quand même une tolérance sur les frappes qui est impressionnante. Il est con, il y a un crochet à 2 mètres et il part de l'autre côté. Bon, il est parti. Ah, il va sur les autres, il les voit. Il voit les gens qui se soignent, je pense. Je vais te libérer. Bah c'est bon, ils en ont chopé un autre. C'est toi qui arrive? Ouais. Non, c'est l'autre. Merci. Ouais, alors par contre j'ai l'impression qu'ils voient quand on se soigne. Tu veux que je te soigne ou je te laisse te soigner? Si t'es là, je veux bien. Mais faut s'éloigner, c'est-à-dire normalement le pouvoir pour voir, tu vois, mais que jusqu'à une certaine distance. Ok. Ah bah c'est bizarre, il a pas réussi. Ouais, il a pas réussi à... Ah. Oula. Oui, il nous a vu direct. Oh putain. Il est sur toi? Ouais. Il est encore sur toi? Oui, il est toujours sur moi là. Profite pour me soigner. Merde, je me soigne. Ah. Attends, je suis niveau 3 là. Que je me calme avant que vous me soigniez, parce que sinon je vais crier, ça va être fini. Il est parti? J'entends toujours ce battement de cœur. Putain, il est où ce coup? Il est pas très loin. Ah, il est sur le bateau. Là, j'entends plus. Le problème c'est que si je te soigne, il va nous voir. Faut attendre qu'il soit sur un autre. Attends.
Attends. Tu veux qu'on essaye? Ouais, attends, cache-toi. J'ai réussi à me sortir du niveau. Ah, du coup, il est après toi. Ouais. Il est tenace. Hein, Ouais, mais il court super vite là. Je sais pas ce qu'il a, mais il va à une vitesse. T'es où? T'es sur bateau? Ah ouais. J'arrivais pas à le semer, pourtant j'ai eu mon accélération, mais il était tout de suite derrière. Le problème c'est que là, il n'y a eu aucun générateur de fête depuis tout à l'heure, tout le monde est blessé. Merci. Putain, mais il vient à chaque fois, c'est pas possible. Mais j'ai encore la lumière rouge sur moi, c'est quoi ce bordel? Ah merde, je suis allé du mauvais côté, il va me buter. Ah attends, je l'ai pas vu. Ah, là, il m'a tapé à distance. C'est sûr, on l'a avec les tests d'habilité qui... C'est sur le bateau là? N'importe où là, je suis sur le bateau ouais. Si quelqu'un peut venir, moi je suis en train de récupérer là, il a juste à me soigner un poil. Ouais. Je suis derrière le tronc. Merci. Et je demande même s'il voit pas les gens qui sont blessés. Pas que quand ils soignent, mais quand ils sont en état blessé. Et tu dis que la lumière rouge c'est normal, j'avais jamais fait gaffe à ça. La lumière rouge c'est quand t'es au niveau 3 en fait. Non mais il me voit. Santé mentale. D'accord. T'es vers où Là je suis caché. Ok, je suis au bateau, là je fais de réparer le générateur, je suis à 50%. D'accord. Merde. Pour me soigner. C'est de la merde, je pense que ça va venir avec de la merde mesure. Je sais pas. Merde, il est mort. Oh là là. Donc il a chili barbecue, ouais. Il est en haut sur le ouais, toit là, du bateau. Là. Je suis toujours à côté du bateau, moi je suis du côté où t'as les grosses pales rouges. D'accord. Moi, je suis sur un autre générateur à l'autre bout. Il va revenir par là je pense. Ouais, il est au rez-de-chaussée du bateau. Ouais. Merde, putain, ça apparaît ailleurs, mais j'avais oublié ça. Ah, remarque, il y a un autre générateur là. Bon, je pense qu'il est parti, je vais essayer de prendre le générateur. Ah, il vient vers moi. Ouais. Putain, mais comment il m'a vu? C'est pas possible! Il
Mais oh là là, mais non, là il a anticipé tous mes mouvements. Il est... Putain, mais il est fort en poursuite, ce bâtard. Bon, je vais crever. T'as trouvé la trappe? Non. Il est super fort. Impossible de le frapper une seule fois. On va essayer de trouver la trappe. Hein. Oh, moi j'ai pas vu du tout la frappe, je sais pas où elle est. Ah mais le problème c'est qu'il te détecte. Non c'est bon. C'est le totem, je sais pas si ça alerte quand tu commences à le faire ou quand tu finis de le faire. Parce que là du coup il va se pointer. Il y a un générateur le long du mur, ça, c'est rare. Ouais c'est... Attends il y a un bruit là. C'est pas la frappe? Non non c'est pas la frappe. Faut mieux d'essayer de la chercher. Hein. Je le vois, il est par là-bas. Je vais aller là-bas. Oui. Bien quelque part cette trappe. Ouais. Waouh. Il doit être plus au centre. La pression. Ah, bon. Si on rentre par là, c'est peut-être que la trappe est par là. Elle est pas dedans. Et il arrête pas de rôder autour de la maison, donc la trappe doit être par là. Chaud chaud chaud. Ah si, on l'entend. Elle doit être dehors contre le mur, mais regarde, tu l'entends là?
Vas-y, vas-y. Wouhou ! Oh putain ! Bien joué. Allez. Cette pression. Ouais. Et franchement, bien vu, hein, parce que moi j'avais même pas, j'avais pas fait gaffe qu'elle était là, je l'ai pas entendu. Ouais. De toute façon, il arrêtait pas de tourner autour de la maison, c'est qu'il avait forcément détecté qu'elle était dans le coin. Ouais. Mais j'avoue, rentrer dans la maison, c'est pas forcément. De toute façon, il courait autour de la maison. De temps en temps, il rentrait dedans, c'était pas. Mais moi, rentrer dans la maison en termes de tactique, c'était pas forcément le meilleur, ouais. Meilleure chose à faire. Mmh. Écoute, ça a marché. Ouais. Alors. Attends, qu'est-ce que je pourrais avoir comme capacité utile qui pourrait m'aider à remplacer du coup indéfectible. Remplacer laquelle? Hein? Tu veux remplacer quelle compétence? Indéfectible, celle qui me permet de me relever. Ah oui. Moi j'aime bien souple, mais je sais pas si tu l'as. Ou atterrissage équilibré. Ah, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de capacités de toute façon, c'est un peu compliqué. Ça fait que quand le tueur regarde directement dans votre direction, se trouve à moins de 36 mètres. Plus en actif, vous avez 10% de chance supplémentaire de générer des tests d'habileté avec des zones de succès réduites de 10%. Ah, quoique je pourrais mettre poids plume. Les empreintes restent poids plume, elle est bien. De moins. Ouais, tu l'as en niveau 1? Ouais. Ouais, être en niveau 3, ça fait. Celle-ci, si tu la level up, elle est vraiment très bien. Parce que c'est vrai que quand tes empreintes restent moins longtemps, le tueur, tu peux plus facilement le semer dans les poursuites. Quoi. Ok. T'as balisé un peu à la fin? Ah mais grave. J'étais en mode concentré. Je me suis dit est-ce que je tente le générateur ou pas. J'ai vu le gars qui commençait à rôder un peu partout, qui commençait à arriver vers là où j'étais. Je me suis dit allez, si je vais, c'est mort. Non c'est compliqué. Mais bon après je pense que le tueur, en tout cas moi de la manière dont je le vois, c'est quand il reste plus qu'une seule personne, je pense pas qu'il va aller s'amuser à chercher du côté des générateurs, il va plus chercher là où il y a la trappe. Ouais. Du coup t'as peut-être plus de chances de t'attarder sur des générateurs. Oui, c'est vrai. Bon, c'est rapide, non? Ouais. Ouais, trois parties, trois assez rapides, c'est vrai. Celle-là, par contre, elle était beaucoup plus rapide que les autres. C'est plutôt cool. Ouais.
J'espère que mon bonus sera utile. T'as mis lequel? Ton avis. Survivre. Des points en plus quand tu survis. Non, celui qui est le plus loin du tueur. Ah, d'accord. Bon, j'ai pas en plus des masses d'objets, donc j'ai envie de te dire. Parce que j'avoue, je vois jamais trop l'utilité épaissir la brume ou diminuer la brume. Surtout diminuer la brume pour le tuer. Oui, diminuer, je vois pas l'intérêt. Ouais. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, t'es en train de monter un autre perso? Non, pour l'instant, non. Je fais celui-ci à 100%. Tu l'emmènes au niveau 50, ouais. Prestige 3. Et après, je verrai, je me ferai peut-être. Bah, je sais que je t'avais parlé à Nea pour. Ouais, Nea, elle est bien. Bah, sinon, t'as auto-soin quand même, t'as Claudette. Ouais. Ah, mais bon, le souci avec auto-soin, c'est que ça te bouffe en fait une compétence. Même si ça peut être utile sur des gars comme. Comment ça s'appelle ? Freddy ? Ouais. Bon, bah, moi, je suis au premier. Oh gars. Merde. Putain, il est déjà là, ce con. C'est lequel ? Je sais pas. Attends, je le vois pas. Mais il est juste à côté. Ok, je prends un générateur. Ouais, bah, moi, je vais y aller aussi. Il est parti. Je suis sur un générateur en haut. Bon après ça, moi aussi je suis en haut. Ah, attends. Y'a pas ruine aussi. Je sais pas si c'est le mec invisible ou s'il est en dessous. Ah, il me semble qu'ils avaient corrigé les bruits de cœur pour pas que ça les prenne verticalement en fait. C'est-à-dire genre s'il est en dessous, tu n'es pas censé trop l'entendre. Merde, le voilà. C'est qui? Attends. Non, mais non, il est en dessous. Oh là, le bug. Donc là, du coup, t'es au premier étage? Ouais. Tu es sur toi? Ouais, moi aussi, je suis au premier étage. Ah, c'est une tronçonneuse. Viens, par terre, par exemple. Putain, mais il est où? Non, il est en dessous. Ouais, il est en dessous. Putain, j'aurais quasiment mis toute ma boîte à outils. Putain. Il en a tapé un. Ah, il est en dessous. Bah, je fais générateur. Je sais pas s'il y a d'autres générateurs en haut. Ah putain, il en a chopé un autre. Et c'est qui à tronçonneuse? C'est Leatherface ou c'est le montagnard? C'est Leatherface, il est à côté de moi là. J'attends qu'il chope le deuxième pour libérer le premier. Bah, moi, maintenant, je fais le générateur. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il m'a pas vu, c'est pas possible. Putain, mais comment il a pu me... Oh là 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 là, mais il... Ouais. Oh, mais attends, comment il a pu me voir? En fait, il a pris une deuxième. J'étais caché derrière une colonne, mais moi, je le voyais. Ah, il fait pareil. Je comprends rien. Et en fait, il l'a lâché, il est venu direct sur moi. Il est en train de défoncer tout le monde.
Moi, il m'a laissé par terre. Bah, viens vers moi. Ouais, mais il reste. En fait, il. Il reste qu'un générateur ? Ouais. Merde, mon live en prix. Le problème, c'est que moi, il me laisse 3 heures par terre, j'ai rien fait de la partie. Mais non, viens pas me décrocher, ça sert à rien, t'es bête. Oh là là. Mais elle est conne ou quoi ? Ah, puis elle est partie devant. Ah, elle m'empêche de passer, cette conne. Et c'est moi qui l'ai coursé, bien sûr. Je suis sur le dernier générateur. Mais non, mais son mouvement de tronçonneuse, il est vraiment cheaté, quoi. C'est pas possible. Il fait des 360 avec sa tronçonneuse, ouais. Quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Il a 50% de générateur. Bon, j'ai pas adrénaline. Non mais la fille elle est venue me décrocher. Mais non mais à chaque fois elle vient décrocher n'importe comment. Ah, elle est sympa. Mais. Elle vient quand le gars est là. Il va venir direct. Ah, il sait où je suis. Oh putain, le mind. Je suis un dead pour après ce con. C'est vrai? Ah, il est après moi. Je me suis caché dans un. Ah merde. Ok. C'est bon. Une porte? Ouais, y a un mec qui arrive, c'est bon. Vas-y, sors. Moi, je suis à côté de la trappe, là, j'attends que tout le monde sorte. Mais soigne-moi, putain! Mmh.
Vous êtes près de la sortie? Ouais, c'est bon, je suis sorti. Pourquoi plus de sorte? Franchement, les 3 générateurs d'un coup au début. Ensuite, j'en ai fait un autre. Là, j'en avais trouvé un et j'étais à quoi, 50%. Et le gars, il arrive à ce moment-là. Ah, il m'a poursuivi. Puis à un moment, j'ai trouvé en fait un endroit où t'avais plein de tonneaux en plastique. J'arrêtais pas de faire le tour. Il me suivait en fait, mais il me trouvait pas. Il savait pas où j'étais parti. Du coup, il a perdu son temps. Tu peux regarder ce que fait l'autre là? Hein? Tu peux regarder ce que fait l'autre? Parce qu'il faudrait qu'il sorte pour que je puisse prendre la trappe, moi. Ah, c'est bon. Ok, va s'ouvrir. Voilà. Ah, il avait pas l'air d'avoir un gros rang, hein, le gars. Ouais, mais... Sur la 4 tronçonneuse, en fait, ils sont quand même assez forts par défaut. Il n'y a pas beaucoup de compétences. Ouais. Non, mais ce qui est abusé, c'est quand il lance son mode berserk, là. Ouais. Ah bah ça one shot, hein. Je sais pas comment l'esquiver. Bon, bah, pour l'instant, ça va, on se débrouille bien. Ouais. Moi, j'ai rien fait dans celle-ci, là. J'ai dû faire un générateur et c'est tout. Avoir pendu un survivant. Ah, il avait Chilean Barbecue, c'est pour ça qu'il t'a repéré. Ouais. Ah, mais c'est quand il accroche Chilean Barbecue. Ah. Bon, ça on se débrouille bien. Pour l'instant ça va. En tout cas mieux que les autres fois. Pour moi en tout cas. Ouais, par contre pourquoi j'ai perdu mes objets? Ah, c'est pas normal. Enfin, des fois, en partie, tu peux les perdre, mais je sais pas ce qu'il fait. Ah, peut-être parce que j'étais accroché sur une partie. Ouais. Ah, quoi que non, je vais peut-être... On va privilégier les boîtes de réparation. Oui, voilà. J'aime bien faire tomber les crochets, se faire des points. Ah, franchement, j'étais chaud là sur le dernier générateur. Il serait pas venu là, je pense que j'aurais réussi à le faire. J'avais fait tout le tour du haut, j'avais réussi à faire le générateur. Et puis après, là, il y en avait un autre. Ah, c'est rapide. Il avait un... Ouais, il est oui, rapide. Ça marche quand même beaucoup mieux. Ah, j'avoue, là, les 3 générateurs d'affilée, c'était banco. Ouais. Mais j'en avais trouvé un juste à côté de la salle où t'as le gros frigo là. Et en plus, c'est cool parce que je cherchais la fenêtre pour m'échapper. Et je me suis bloqué juste là où t'avais des cochons qui étaient pendus. J'aurais pas fait ça, je me serais pas pris de coup quoi. D'accord. Donc il t'a touché une fois? Il m'a touché juste une mais fois. Mais pas la tronçonneuse? Non, avec son marteau. Ouais. Avec la tronçonneuse, je pense que ça aurait fait one shot hein. Ouais, c'est ça qui est pénible avec cette tronçonneuse. Je tente la technique des placards pour voir. Tu veux dire quand il y en a un qui est à terre ou quand l'autre arrive et tu le tamponnes? Quand lui arrive avec sa tronçonneuse et si t'as un placard à proximité, tu te fous dedans vite fait pour que son adversaire ne te touche pas quoi. Ok. Mais bon, faut le timing, faut un bon timing. Oui, faut un bon timing hein, parce que. En plus, juste quand il a commencé à remonter au premier étage, je m'étais caché dans un placard. Et je vois qu'il commence à repartir, il était toujours à l'étage du bas. J'avais une grosse visibilité sur l'escalier pour remonter en haut. Et,
Et juste quand je sors, je vois le gars qui arrive. Heureusement, il ne m'a pas vu. Il est remonté à l'étage, donc j'ai pris l'autre escalier. Et bah, je suis tombé pile poil sur une sortie. T'avais un gars qui était déjà dessus en train de l'ouvrir. Il avait quasiment D'accord. fini. Bon timing. C'est ça. Mais j'avoue, le coup du manège là autour des bacs. Ouais, ça a bien marché. Ah, genre, je pensais pas que ça aurait aussi bien marché. Ah, je vois quelqu'un à côté de moi. Coldwyn Farm. Ah, bah je vois plein de monde à Ah, côté de un moi. générateur. Ce serait bien que tu vois la nouvelle chose. Ouais. C'est déjà ça, je stresse. Ah bon? Merde. C'est celle en bleu là? Qui a la gueule bleue? Oh putain. Tape moi direct. Merde, dommage qu'elle vienne pas là. Il y a un autre truc que j'aimerais faire aussi, c'est... Vu qu'on a la boîte à outils, quand quelqu'un se fait choper, si t'arrives à anticiper le crochet où elle va emmener le mec, tu vas le péter avant qu'elle arrive. Ouais. C'est excellent. Ah, elle est en train de bousiller un générateur. Elle est à côté? Elle poursuit une autre personne. J'arrive. Je vais te soigner. Oh merde, elle est là. Ouais. Elle est où? Bon, je vais la tirer. Ah, la salope! Putain! Elle est douée avec ses haches. Bah ouais, elle vit bien. Elle a mis ruine sur les générateurs. Hein? Elle s'est pas pris ma planche. Ah, il est assez fort. Je pensais lui avoir fait tomber la pelle sur la gueule, non seulement j'ai loupé, et en plus il a eu le temps de décocher une hachette. Ouais. T'as du monde à côté de toi ou pas? Ouais, quelqu'un qui arrive, mais elle vient trop tôt. Mais non, viens pas. Oh là là, je vais me faire déconner. Ah putain, j'ai trouvé le totem. Ah ouais. C'était juste à côté de là où j'étais. Elle est après toi? Non, je l'ai pointé. Enfin, quoi que. C'est bon? Non, je l'ai pas du tout pointé. Ah, elle est chiante avec ses haches. Ah, elle est bien. Elle est super bien. Des parties de merde. Elle est sur un autre. Décroche ou pas? Non, il y a quelqu'un qui est en train de se faire poursuivre, mais elle vient vers moi, mais elle va me décrocher. Non, 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 c'est bon. Elle est derrière quelqu'un d'autre. Mais il y a personne qui vient. Ok, bon, j'arrive là. Mais non, viens. Elle est toujours là. Il va prendre l'autre. Ouais, mais elle prend l'autre, donc c'est le moment. Là, il est fort, il marche en reculant pour vérifier si quelqu'un vient. De toute façon, ouais, au pire, je tente, parce que là, je vais crever. Ah, t'es blessé? Bah, mais la personne est venue, du coup. Donc, je vais crever. Oh, putain. Putain, c'est pas vrai. Chier. J'ai fait 3 secondes de générateur.
Et il fait quoi, Black, Black Veil, là, il va pas aider l'autre? Ah si, il va aider. Je vais retourner me faire un générateur où j'étais. Tu peux me dire s'il y en a un autre qui se fait pour tout ou pas. Ouais, elle est sur une fille là. D'accord. Il essaye avant, il doit vouloir le trophée, avoir le trophée avec les haches, il essaye de dégommer les gens à la hache. Ah. En les lançant quoi. Allez, il va me choper une. Attends, pas de temps, on a eu chien. Le problème, c'est qu'il vous reste encore 3 générateurs. Donc l'autre, elle est sur un générateur. Par contre, personne va décrocher la fille. Décrocher. Elle est à côté de... Ouais, wow. Elle est à côté de lui. Ouais, c'est pas dégommé. Ouais, ça s'en attrape. Ouais, il est super fort le sort. Vers quel gars? Non mais là elle est y a plus que toi hein, de toute façon. Mais l'autre qui est accroché, elle est à côté de lui ou pas? Non. Je cherche la trappe. Fais gaffe. Aïe aïe aïe. Ça a marché. Ah, c'est pas mort. J'aurais pas dû aller l'aider. J'aurais dû chercher la trappe direct. Bonne chose à une fin. C'est bien une victoire quand même. De toute façon, il n'y a que des scores à 5 cibles sur la partie. Non, il était plutôt bon. Points en survie, comment je peux gagner 33 points en survie alors que je suis mort? Ouais. Avec toutes les actions que j'ai faites, je suis que... Enfin, toutes les actions, j'en ai quand même fait quelques-unes. Je suis dernier de la partie. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est peut-être les générateurs. J'ai dû réparer 2 générateurs. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, ouais, oui, en effet, ouais. D'accord, bon, je comprends. Je suis pas allé sauver les gens.
Oh, ça va, c'est rapide. Ouais, non, ça change par rapport à avant, quand même. Récupérer un équipement, par contre. Ok. De toute façon, à partir du moment où j'ai commencé à tourner autour du truc, même si elle utilisait ses haches, je me suis dit au bout d'un moment, elle n'aura plus de haches, du coup, Ouais. elle va commencer à me poursuivre, et puis là, ce sera mort. Je sais pas si les haches sont illimitées. Oui, Non. t'as 3 haches, je crois. 3 ou 4 haches. Et C'est après, il faut les reprendre dans les comme le nombre de placards. pièges pour le chasseur. Enfin, ou le. Je sais plus D'accord. comment il s'appelle. Le piégeur. Le piégeur, oui. Piégeur, c'est le premier tueur que j'ai fait, et franchement, j'avais bien kiffé parce que du coup, je mettais des pièges pile T'aimais poil là où il bien? y avait les plaquettes. Je laissais Ouais, les mecs y comme foncer ça, dessus, et puis souvent les gens je vont faisais par avoir là. comme des cons. Ouais. En se disant, ah bah tiens, je vais le baiser, je vais faire tomber une Avec la plaquette, palette. et puis la Ouais. passe. Hop, dessus. Par contre, ce que j'avais pas pigé au début, c'est que quand le gars était sur le piège. Fallait que je le prenne directement en fait. Ah bah je suis à côté de toi. Yamaoka. Il y a un générateur, non? Non. On entend un bruit. Bizarre par contre, je suis à C'est côté de encore le vous. chasseur. J'ai les capacités qui sont actives, mais je vais pas plus vite pour aller faire un totem. Non, parce que maintenant le meneur ça marche plus pour toi. Ça marche que pour les autres. C'est encore la chasseuse par contre, ça se trouve c'est le même. Je passe à côté de vous pour. Ouais. Allez sur l'autre, allez sur l'autre. Ouais, c'est lui. Putain, il fait avec les haches aussi, c'est le même à tous les coups. Vas-y, je te suis. Un peu plus loin. Putain de piaf. Ah, c'est moi qui l'ai fait s'envoler, je pense. Alors, est-ce qu'il y a un générateur par là? Même pas. Dans la maison? Ouais. Elle aura du mal avec ses haches. Mais il est où ce générateur? Il est là. Ici, ici. Là où tu es. Par l'intérieur. Putain, mais d'où il m'a vu là? J'étais caché. Ah, c'est pas possible. Je l'ai même pas vu arriver quoi. Ah, mais les autres ils font quoi? Ils sont sur le générateur. Ça m'énerve parce que ça fait deux parties qu'elle me chope comme une merde là. Bon, personne n'a l'air de venir. Elle est partie. Il est à côté de toi là. Il y en a un qui est proche.
Le problème c'est qu'il est jamais très loin et après elle va direct venir. Voilà, elle est déjà là. Je vais essayer de continuer de faire celui dans la maison du coup. Je me soigne. Elle était dans la maison tout à l'heure, fais gaffe. Je suis un bambou. Elle a pas l'air de voir quand je me suis pas mis. Oh putain! Je me fais avoir. Je suis caché, je n'ai pas vu qu'elle arrivait. Ouais, mais exactement comme je moi. Je suis caché, mais un pile poil dans le casier en plus. Elle t'en met où là? Ouais. Elle te met où? Au sous-sol? Non? Oh, t'es loin. On repart vers la maison. D'accord. J'en vois deux ensemble, il y en a un qui est tout seul. Il y en a un qui arrive vers moi. Putain, elle m'a vu, c'est pas possible. Putain, mais comment elle me voit à chaque fois ça? Je comprends rien. Qui arrive vers moi. Oh, elle m'a niqué la gueule. J'arrive pas à le faire. Je fais des déplacements de merde. C'est bon. Elle a été cool, elle a pris le coup pour moi, la fille. Vers où? Moi je suis en train de me soigner. Je suis assez loin. C'est marrant là, j'ai le bruit qui vient après que le QTE démarre. Quelqu'un va... T'es où toi? Bah je vais essayer de la sauver mais Ah ça y est, quelqu'un l'a libéré. Mais moi je suis déjà en mode blessé donc c'est compliqué. D'accord. De refaire le générateur, c'est déjà pas de me foirer. J'ai vu le tueur, mais il y a quelqu'un qui. Il y avait quelqu'un qui suivait le tueur. Oui, j'ai vu aussi, ouais. Après, il y a zéro générateur. Si t'es sur rien, si tu peux venir dans la maison pour me. Non, je suis sur un générateur. J'arrête pas de me louper, c'est pas possible.
quand ils se barrent pas. C'est... toujours dans la maison. Ouais. Tiens, je suis là. Je pense qu'elle a une compétence, j'ai plus les bruits pour les QTE, tu les as toi? Il me semble que je les ai. Oui, je les ai. Oui. Ou alors t'es prévenu peut-être un petit peu avant. Enfin un petit peu après. Tout à l'heure ça le faisait après et là ça le fait plus du tout. Je vais essayer de faire celui dans la maison. Ouais, je vais retourner à l'autre côté. Hop, t'as là. Elle est juste derrière en plus. Allez. Ouais, il y a des petits bruits d'échappée. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à m'échapper. Oh putain, je confirme. Mais vas-y. Merde, j'ai pas de bruit des QTE, ça me gonfle. Direct sur moi, c'est d'entendre du bruit. Et merde, oh bah elle vient direct sur moi, mais bien sûr. Ok, il y a une grève sur moi, tu vois. On t'a libéré, c'est bon? Ouais, c'est bon, elle m'a libéré, elle me soigne. Ouais, c'est plus qu'un générateur. Celui de l'intérieur, vous l'avez fini ou pas? Non. Donc, il est bien avancé? Ça dépend s'il y a de la bousille à nouveau. Moi, j'en ai un à côté là qui est bousillé. Ça me stresse, ces QTE sans bruit là. C'est horrible. T'es obligé de regarder l'écran tout le temps. Il est à zéro. Ah ouais, effectivement, j'ai pas de truc non plus. Elle m'a vu, putain. Et oui, bien sûr, le passage de fenêtre où il y a toujours le lag. C'est à chaque fois tu sautes la fenêtre, t'es passé, mais non, ça te tape. Je crois que c'est ma troisième fois. Ouais, j'ai mal joué là. J'ai mal joué, c'est ma faute.
sais où elle est l'autre? Attends, j'avais pas mis. Ouais, elle court auprès de la cabane. Mais elle fait rien. Je sais pas ce qu'elle cherche. Elle cherche la trappe à mon avis. T'as vu? Elle est juste à côté de toi, juste derrière toi en fait. Elle est repartie. Bon, où est-ce qu'il y a un autre générateur qu'on aurait pas encore fait, mis à part sur la maison? Normalement, il doit rester 3 sur la map. Ah, elle est sur un générateur là, près de... Ouais, mais la tueuse va sur elle. Ah, toi la frappe. Ah. Ah bon, c'est hallucinant, elle a rien fait et elle l'a semé quoi. Ah, elle s'en sort ou... Ouais, elle va se soigner là. Oh putain, j'aurais dû rester près de la trappe. J'espère qu'elle avait trouvé la trappe. Là est court, mais je sais pas si elle sait où elle est. J'ai pas l'impression. Elle est clairement en train de la chercher. Tu l'as pas vue à l'intérieur, non? Non, non, elle était à côté d'une cabane, je l'ai vue. Hein. Ah bon? J'ai vu la trappe. Ouais, elle est en train de courir. Mais... C'est pas de ce côté-là, c'est à côté d'une petite cabane délabrée. Ah. C'est... Ouais, c'est par là-bas, je crois. Faut qu'elle aille vers la cabane par là-bas. Ouais, c'est par là-bas. C'est là, c'est dans. C'est juste là où elle est en fait. Juste là où il y a la chasseresse. Ah bon? Je pensais qu'elle est là-bas. Oh, elle va chercher pendant 3 heures. Là, il reste qu'un générateur, celui-là, qui a fini le générateur. Ah putain, il y en avait un juste là. Voilà, c'est juste ici, je crois. Je me débrouille pas mal. Mmh.
Oh oui, c'est là, allez, allez, allez. Oh oui. Oui, bien joué. Oh putain, elle a eu du cul là. Elle se débrouillait bien. Ouais. Bah maintenant elle a une capacité pour courir plus vite quand elle passe par au-dessus d'un truc. Ouais, atterrissage équilibré. Hein. Attends, niveau 50. Ah oui, en joueur. Ouais. Ah, j'ai reçu une invitation de... C'est vrai? Ouais. Qui c'est, le tueur ou le survivant? Le survivant, là, c'est qui, c'est qui s'en est sorti. Ah ouais. Assez pour m'acheter la capacité. Ah bon? Je crois que la seule fois où j'ai vu que ça avait bien marché pour la brume noire, c'est quand tout le monde avait mis de la brume noire, ça avait fait un truc assez conséquent. Ah mais du coup c'était vraiment hyper sombre. Ouais. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi pour un survivant quel est l'intérêt de dissiper la brume noire. Ah oui, dissiper, je vois pas vraiment l'intérêt. Sauf si tu veux faire audace à fond. Pareil, j'ai vu des gars utiliser, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir sur sur mon plan de personnage des comment ça s'appelle, les pétards. Ah ouais. Des fois, ça permet de s'enfuir, ça peut aveugler le tueur. Ouais. Ah du coup, ça usage unique. Oui. Ah, ça fait l'effet d'une lampe torche, quoi. Ouais, en plusieurs explosions. Ça fait plusieurs explosions par terre. Ok. Bon, bah, vous, c'est cool. Ça recherche vite. S'ils ont déjà mis en place et que c'est toujours actif, j'avoue, ça cherche vite. Ouais, c'est pas mal. Quel intérêt d'utiliser le truc pour dissiper, franchement. Du coup, ça veut dire que les deux, ça s'annule. Donc, c'est soit moi, soit lui qui va pas utiliser son objet. Mais il y aura quand même la brume qui sera un peu plus épaisse. Là, on avait deux brumes épaisses. C'est con. Je crois qu'il y a un succès en plus que c'était toi la dernière fois qui disais j'ai une clé, il faut qu'on essaie de trouver la trappe. Ouais, pour tous sortir à 4. Je pense qu'il y a un succès avec ça. Oui. Mais je l'ai pas, du coup. Mais c'est faut que les 4 survivants sortent par la trappe ou qu'il y en ait un seul qui sort les par 4... la trappe. Non, 4. Les 4, ouais. Putain. Donc faut, du coup, ouais. Faut être organisé, faut être avec des gens que tu connais, quoi. Faut être en survival with friends et ouais. Ouais. Bon, je trouve un générateur. Ah, c'est la sorcière. Ah, il y a Yarwin.
Et sur toi? Ouais. Le sous-sol ? Bah, j'ai voulu me cacher, mais je pensais qu'elle m'avait pas vu. J'ai l'ennemi au sous-sol. Je crois qu'elle a mis un... Ouais, elle a mis un truc au sol. Juste devant ma gueule. Ah, celle qui se téléporte ? Ouais. Oh merde, elle m'a vu. Non mais d'où elle me touche sans me toucher, ça me saoule. Je suis allé dans le cul-de-sac, faut vraiment être con. Ok, il y en a un qui vient me chercher. Ouais. Elle va me mettre en dessous. Oh merde, elle arrive avec moi. Oh putain, je suis sorti au mauvais moment. Ah, puis l'autre s'est barré. Ah putain. J'aurais dû me casser. J'aurais dû me cacher là-bas. Ouais, je suis comme une merde là, ça m'énerve. Putain, mais elle fait quoi? Ah, ils sont barrés, laisse tomber. En fait, j'aurais dû attendre qu'elle pose, qu'elle vienne se poser, et j'aurais dû ouvrir la porte à ce moment-là pour me casser. Qui essaye de s'approcher quand même. Je faut faire gaffe au signe. Ah là 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 là. Il vient sur moi. Quoi? Mais comment il a pu? Enfin, c'est abusé, je voyais pas la lumière rouge et d'un seul coup elle me tape. Tant qu'il y a la lumière avant quoi. Une partie de merde.
Putain, elle est conne, elle m'aurait laissé la soigner, j'aurais peut-être pu... Ah, je fais moins 1 encore. Putain, je suis repassé à rang 15. Non. Elle est partie sur le. Elle a dû apercevoir Néa. Ouais. Elle l'a dégommée. C'est abusé, si t'avais passé le truc. Ah, c'est bien, j'ai réussi à m'en sortir. Bon, au final, ouais. Plus j'avais pile poil où je vais pour le générateur, je vois le totem de ruine. Ah, est-ce que le ruine personne l'avait dégommé? Bah, non, il était pile poil là où je me suis fait buter en fait. Mm. Pas trouver en plus sa trappe. Je sais même pas comment j'ai fait 10 050 points. Ouais. Bon, je pense que si la prochaine on perd, ouais. je pense que ce sera le moment de se dire, ouais, qu'il faut arrêter. Et félicitations à Ted qui passe niveau 22, merci à toi, merci pour ton soutien. Je pense que ce sera le moment de se dire, ok, on a été bon au début, on l'a moins été sur la fin, je pense qu'il faut s'arrêter là. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir après, perdre. J'ai testé World War Z après. Ouais, tu me diras ce que t'en penses. Oui. Bah, avance pas trop s'il y a des niveaux par contre, hein, que l'on ait pas trop d'écart. Non, non, non. Je vais regarder s'il y a un tutoriel. Hein. Ah, déco. Ah, putain, c'est con, il y avait le H des Evil Dead qui était là. Oui. Le H de
Ash le nouveau. Evil Dead, le nouveau personnage. Ouais, le nouveau survivant. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme capacité lui. Je sais pas, il a un bras robot, alors je sais pas ce qu'il fait avec. Non mais ça, son bras robot, enfin je sais pas si t'as vu les films, mais en gros c'est son bras il est coupé. Du coup il se met ça à la place. Normalement de base, dans Evil Dead, je crois même qu'il a une tronçonneuse à la place de son bras. Ah, Evil Dead, j'avais vu les deux premiers, mais ça fait très longtemps. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps. Je crois que c'était mélange science-fiction, zombie, mais sur fond assez comique, je crois, non? Oui, c'était un peu... Ouais, c'était tellement gore que ça en devient marrant. Je sais plus combien il y en a eu, il y en a eu 2-3. Alors les anciens, il y en a eu au moins 2, et après ils ont fait un espèce de reboot récent, non? Je sais pas. Ça, on aura quand même fait quasiment de bonnes heures avec cette, si on compte cette partie là et qu'elle nous dure 20 minutes. Oui, pour une fois, on a joué plus qu'on a attendu. Oui. On a fait combien de parties? On a dû en faire au moins 5 ou 6 là. Ouais, 6-7. Mais le taux de survie est en train de chuter. Ouais, j'avoue, là, la première c'était. C'était abandon du tueur direct. Deuxième, j'ai survécu. Troisième, on a survécu tous les deux. Et puis après. Depuis, ouais, ça c'est plus rare. Ouais. Alors, vas-y, du spam. Bon, bah, moi, je suis à côté d'un survivant. Normal, j'ai utilisé le bon. J'ai vu un mec courir. Je sais pas si c'était le cœur ou c'était. J'ai vu un autre mec courir. C'était pas le cœur. Non, c'est moi et merde. Ok, bon, on est sur votre droite. Ah, je viens de voir le tueur, c'est le chasseur. Ouais, ça va, pour une fois, il a pris derrière elle et pas derrière moi. Il est alerté quand on désactive un piège? Oui. Ah merde, je peux pas lui faire ça. Oui, là il revient vers là où le piège était désactivé, je pense. Ah, il y a Nia qui est avec moi. Il est en train de remettre un piège. Moi je l'ai entendu aussi, un piège, le piège est désactivé. Ouais. Non mais c'est moi qui l'ai utilisé. J'aurais peut-être fait mieux. Il est où? Ça va, on a quasiment pu réparer le générateur. Je vais à l'intérieur de la maison. Merde, j'ai pas réussi. J'ai pas eu assez de temps, j'étais en train d'essayer de péter le crochet vu que j'étais à côté. C'est con, si ça avait marché, ça aurait été drôle.
Putain, mais il est rapide ce coup. Ah, le v'là, mais... merde, il a chili barbecue. J'ai sauvé l'autre en fait. Comment il fait pour taper aussi bien? Bon angle, je pense. Mon 360 me l'a pas impressionné. Moi je suis juste à côté, c'était pas. Oui. Ah, il a chillé le barbecue, c'est-à-dire il voit pas ceux qui sont prêts. Vas-y, il est parti là. Non, il est là, je le vois. Là, il a posé un piège près de là où tu veux. Près de là. Ah merde. Ouais. Ah, que t'as pas vu? Oh, bien joué. Là, il va se barrer. Ouais. Putain, mais il part pas loin. Il reste à côté. Hein. Il l'a posé où, le piège? Il l'a mis en face de moi, là-haut. Je contourne, mais vas-y, vas-y, viens, viens. Voilà. Merci. Ah bah non, il y en avait deux. Non malaise, c'est pas grave. Putain, quel fils de pute. Il en avait mis deux. C'est ma faute. Enfin, je joue mal. Il a posé des pièges en face de toi? Bah non, du coup. Alors je me suis planté, il... Le piège était à côté en fait. Non mais là il a reposé des pièges en face de toi. Non non non, il en a parmi. Il est toujours à côté de toi. Il était parti, là il revient. Ok, je suis dans la maison, je vais par le générateur, tu me dis si... Je suis presque mort là. Oh putain, mais pourquoi il revient à chaque fois? Mais non, je lui fais tomber dessus et il me touche quand même. La palette? Ouais, j'ai eu le message des tours derrière le tueur, mais après qu'il se soit pris la palette, il a réussi à envoyer un coup. J'aurais pu m'éloigner. Bon, bah c'est mort. Eh, fais chier. Bon, j'ai joué comme une grosse merde. Je crois que sur toutes les parties, j'ai dû remporter une poursuite contre les tueurs, hein. C'est ridicule. En train de me mettre. Oh putain.
Ah mais il a Noël. Il était pas content. Je la sentais bien cette partie. J'ai mis World War Z. Ah, j'ai pris un rang, en tout cas je suis passé rang 17. C'est vrai? Oui. Alors, infiltrer le bunker et activer l'arme. C'est con là, si près du but. Parce que la porte était ouverte. Bah là, j'étais en train d'ouvrir la porte mais le gars est arrivé. J'étais trop, trop rapide je pense, j'aurais dû attendre. Bon, du coup en vain sur mon perso. Ah, c'est vrai. Ça avance. Ouais. Et comment tu joues à un jeu quand t'as pas les commandes? Bah je sais pas, tu te débrouilles. J'essaye tous les boutons mais ça fait rien. Et survivre. Ah mais il y a encore un autre personnage là. Jane Romero. Ah c'est celle qui est avec lui, qu'est-ce qu'il a de beau? Alors, il a gigoteur. Vous possédez des capacités improbables d'échapper à l'inévitable. En état critique, 50% de vos progrès de récupération sont convertis en progrès de gigotement quand le tueur vous saisit, jusqu'à un maximum de 40%, d'accord? Accrochez-vous renforce la capacité de repérage d'aura. Le stade de récupération des survivants en état critique peut être déterminé par l'intensité de leur aura à une distance maximale de 48 mètres. Quand vous aidez un survivant à passer d'état critique à blesser le survivant et vous-même, voyez l'aura du tueur pendant 4 secondes, d'accord. Force de caractère. La compétence s'active quand vous avez été frappé 3 fois par l'attaque de base du tueur. Une fois la compétence activée, la prochaine fois que vous devriez vous retrouver dans un état critique alors que vous étiez blessé est ignorée.
La prochaine fois que vous récupérez 100% de votre santé, votre aura sera révélée au tueur si vous êtes à plus de 12 mètres de lui. La compétence sera désactivée la prochaine fois que vous serez en état critique, augmente vos chances de devenir l'obsession du tueur. D'accord. Ok. Et du coup, l'autre, elle fait quoi? Partager l'expérience douloureuse à un pouvoir curatif, quand vous êtes blessé, soigner un suivant sans trousse de soins, vous soigne également à un taux de conversion de 40%. Ah ok, c'est cool. Atteindre les objectifs renforce confiance, quand un générateur est réparé, vous ne laissez aucune marque et des raflures pendant 6 secondes, ok. Quand vous avez décidé quelque chose, après 3 secondes à l'intérieur d'un casier, la compétence s'active, tant qu'elle est active, toute action précipitée pour quitter le casier étourdit le tueur. Ah, c'est elle en fait qui étourdit le tueur. Ouais. Ouais. Jane Romero. Ok, bon. Bah écoutez, sur ce, merci à tous et à toutes d'être venus et d'avoir participé avec nous sur ce live de Dead by Daylight. Donc, comme vous avez pu le constater, les parties, on a réussi à les trouver un peu plus rapidement. On a bien commencé, mais on finit malheureusement sur de la défaite. On va dire du 40% de victoire, 60% de défaite. On va rester sur ce taux-là, ce qui est quand même presque proche du 1 sur 2. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de week-end. Très bonne fin de journée. Et puis, bah, du coup, je vous dis à très vite pour la suite de Walking Dead et peut-être des petites parties très prochainement sur World War Z. Ouais. Salut tout le monde. Ciao, ciao.